Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9h. Le journal Mohamed Diarra. Le temps, 31 degrés actuellement, la maximale atteinte est de 40 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. C'est cet après-midi que s'achève la 15e édition de la Journée nationale des communes. Mais déjà hier, les maires étaient à Koulouba où ils ont remis leur mémorandum au président de la transition. Nous ferons le point avec Fusine Tungara dans ce journal. Plus de 300 milliards de francs CFA dans l'escarcelle du Mali, c'est la moisson de la visite du ministre de l'économie et des finances à Djeddah. Nous ferons le point avec Boubacar Bablentouri. Les sports, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent ce samedi à Ségou au stade Amaré Dao. Les affiches sont Bakarigan 11 Kérateur et Stade Malien de Bamako et Stade Malien FC Binga. Et puis la première demi-finale allée de la Ligue des Champions de la Coupe CAF s'est disputée hier en faveur donc du grand club du Caire Al-Ali d'Égypte, nous dira Famoulou Dourté en fin de journal. Le dossier culture nous fait voyager dans la contrée de Yangasso. Il est question de Bodogola, une pratique culturelle ancestrale qui consiste à glorifier la jeune fille. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Oui, Chabamako pour la 15e édition des Journées des communes du Mali. Les élus locaux ont été reçus hier par le président de la transition, chef de l'État. Les acteurs du développement local étaient venus remettre le mémorandum de l'association des municipalités du Mali au colonel Assimi Goïta et lui transmettre les remerciements des populations à la base pour l'enclenchement des réformes en cours dans notre pays. En retour, le chef de l'État les a exhortés à s'investir davantage pour maintenir l'équilibre social au niveau local. Le point avec Fossine Tunkara. Jour ordinaire, mais plein de sens pour les élus locaux du pays. Ils font face au chef de l'État, au premier ministre et son gouvernement et des présidents d'institutions sans intermédiaire. Ces acteurs du développement local sont venus remettre un mémorandum au nom de l'Association des municipalités du Mali au colonel Assimi Goïta. Ils sont aussi porteurs des messages de remerciement des populations à la base aux autorités de la transition, non seulement pour les réformes en cours dans notre pays, mais aussi pour la reprise des journées nationales des communes du Mali. Yacouba Traoré, président de l'Association des municipalités du Mali. Le mémorandum contient l'ensemble des préoccupations des élus locaux. La protection juridique de l'élu local dans l'exercice de sa fonction, notre engagement, notre disponibilité à accompagner le gouvernement sous votre leadership. Convaincu du rôle des élus locaux pour la réussite des initiatives gouvernementales, le président de la transition a rappelé certaines orientations. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il convient de noter la mise en place du comité de suivi indépendant des recommandations des assises nationales de la refondation, la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, la valorisation des légitimités traditionnelles, le réarmement moral et matériel des forces de défense et de sécurité, l'audit du secteur minier, l'effectivité de la réorganisation administrative et territoriale du pays, la lutte contre la corruption, l'élaboration d'un projet de nouvelle constitution pour le Mali, l'organisation du référendum et des différents scrutins électoraux. L'aboutissement de ces réformes requiert l'implication des acteurs du développement à la base que vous êtes, la mission de développement que vous confère la loi nécessite une gestion judicieuse, rigoureuse et transparente des ressources mettant les citoyens au centre de tous les processus. Je vous exhorte à redoubler d'efforts pour adopter un comportement plus rigoureux dans la gestion des collectivités territoriales, surtout en ces temps de contexte économique difficile. Aujourd'hui, l'actualité brûlante du pays est la tenue du référendum en vue d'adopter une nouvelle constitution. Le sujet a été aussi abordé par le chef de l'État. La convocation du collège électoral pour le référendum du 18 juin 2023 m'offre l'occasion de vous inviter à vous engager pleinement, aussi bien dans le processus de vulgarisation du projet de constitution, socle juridique du Mali Koura, que pour la bonne tenue du référendum. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali
et protège les Maliens. Les élus locaux ont quitté le palais de Koulouba, munis chacun d'un exemplaire du projet de la nouvelle constitution. Ils invitent les autorités à leur endroit pour cerner davantage les documents avant le 18 juin, date à laquelle les Maliens sont invités aux urnes. Direction la primature, la 23e édition du Forum de Bamako se prépare. Les organisateurs sont à pied d'œuvre dans les préparatifs. Une délégation de la commission d'organisation conduite par le président du dit Forum, Abdallah Koulibaly, a rencontré le Premier ministre pour recueillir ses conseils et son accompagnement. Les échanges ont été francs et constructifs, nous disent Alousine Touré et Aliou Touré de la presse de la primature. L'importance du sujet pour notre pays a vite fait de transformer l'audience en une séance de travail. Le président du Forum de Bamako a informé le chef du gouvernement des démarches effectuées dans le cadre des préparatifs du Forum. Il a annoncé les sujets qui seront au cœur du Forum, à savoir l'éducation, la santé, le développement à la base, la redevabilité, entre autres. Abdallah Koulibaly, président du Forum de Bamako. Il y a la justice, l'éducation, la santé, les problèmes d'infrastructure et bien sûr le problème d'électricité, d'énergie. En retour, le Premier ministre les a félicités pour le choix du thème, à savoir développement local comme facteur de paix et de sécurité. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. On fait des routes à Tombouctou, à Gao Kidal, mais il n'y a aucune route. J'ai demandé au ministre des infrastructures cette année, où est l'argent qu'on a mis dans les routes? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'argent, mais il y a le maire. Il faut que les Maliens, me semble-t-il, de façon définitive, exige la redevabilité, comme vous l'avez dit. On ne peut pas accepter que les ressources des pauvres, de la population, le sacrifice de nos populations, soient accaparés par une personne, parce qu'elle a des positions privilégiées et électorales. Le Forum de Bamako se tiendra les 18, 19 et 20 mai 2023 à Bamako et regroupera plusieurs sommités intellectuels qui vont réfléchir sur les thématiques en jeu. Le ministre de l'économie et des finances, Alassane Sanou, est à Djeddah, en Arabie Saoudite, pour prendre part aux assemblées annuelles 2023 du groupe de la Banque islamique de développement, BID, qui s'achève ce samedi. Un rendez-vous qui a permis au ministre donc de signer une convention avec la Société internationale islamique de financement à hauteur de 300 milliards de francs CFA. Le commentaire de Boubacar Bablintouré. Assemblée annuelle 2023 du groupe de la Banque islamique de développement BID. Un rendez-vous de haut niveau auquel prend part le ministre de l'économie et des finances Alousseni Sanou. Cette rencontre au titre de 2023 qui se tient du 10 au 13 mai prochain à Djeddah en Arabie Saoudite est une occasion mise à profit par le ministre Sanou de multiplier les rencontres avec le directeur de la Société internationale islamique de financement et du commerce ITFC. Rencontre qui a abouti à la signature d'un accord de financement de 500 millions de dollars américains, soit environ 300 milliards de francs CFA avec l'institution financière. Ce fonds est destiné à l'achat des produits pétroliers et des denrées alimentaires avec la possibilité d'extension à d'autres domaines tels que l'agriculture, la santé. Aussi, il s'agit de renforcer les capacités de l'Office malien de produits pétroliers, OMAPP, et la mise à disposition de lignes de crédit pour les banques locales. Ce financement devra renforcer davantage le partenariat stratégique qui existe entre notre pays et la Société internationale islamique de financement et du commerce, ITFC, dans d'autres domaines de collaboration. Face à cet accord cadre, le ministre de l'économie et des finances a réitéré la ferme volonté de l'État du Mali à respecter tous les engagements avant de remercier le premier responsable de l'ITFC et son équipe pour leur accompagnement envers notre pays. Le directeur général de la société, quant à lui, il sollicite auprès du ministre Sanou l'adhésion du Mali au programme des ponts du commerce arabo-africain. En marge des travaux, l'occasion était opportune pour le ministre Sanou de rencontrer ses homologues du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Au menu des échanges, comment mutualiser les efforts pour le développement des trois pays? Ouverture à Bamako d'un colloque international sur la construction navale au Mali. Pays enclavé, le Mali dispose cependant d'un réseau hydrographique important avec de réelles possibilités de développement de la navigation fluviale. Le point avec Mamadou Fani.
Avec un parcours de 4200 km du sud au nord du pays, le fleuve Niger reste vital pour beaucoup de secteurs d'activité au Mali. La navigation fluviale contribue de manière significative au développement économique du pays. Cependant, le transport fluvial reste peu exploité et mal organisé par les acteurs avec les moyens peu adaptés, d'où ce colloque international sur la construction navale. Il s'agit par cette rencontre de trouver des voies et moyens pour mieux exploiter la navigation fluviale au Mali. Mamadou Sow, directeur général des transports. Dans le Delta intérieur du Niger, au niveau de Mopti, que ce soit à Ségou, à Koulikoro, à Kaï, nous avons des artisans constructeurs locaux qui font des pinances, qui font des pirogues, de grandes capacités, et nous avons une certaine expertise dans ce domaine-là. Avec les échanges d'expérience, pour en sorte que nous puissions améliorer ce qui se fait ici. Ce colloque qui réunit les professionnels du secteur des transports fluviaux, des experts, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du secteur privé a pour objet de promouvoir le développement de la construction navale. Damele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La navigation fluviale est un mode de transport durable, écologique et efficace qui présente donc de nombreux avantages, et notamment la réduction des coûts de transport, l'amélioration de l'accessibilité des régions enclavées. À cet égard, il est important de souligner que pendant la saison des pluies, certaines zones géographiques du Mali ne sont accessibles que par la voie fluviale. Au surplus, le transport fluvial a le mérite de décongestionner les transports routiers et d'avoir un faible impact environnemental. La construction navale au Mali, qui englobe la construction artisanale des pirogues et des pinasses par le secteur privé et de l'informel, passe par un investissement dans les chantiers navals afin de permettre la construction d'équipements répondant aux normes pour le bonheur des utilisateurs. 9h12 à Dakar. Des milliers de manifestants étaient dans la rue hier à Dakar contre une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Non à une éventuelle troisième candidature de Macky Sall, c'est en substance le mot d'ordre ce vendredi 12 mai à Dakar. La manifestation a été organisée par la plateforme des forces vives de la nation F24. L'opposition ne veut pas voir le chef de l'État briguer un troisième mandat en 2024. En Mauritanie, près de 1,8 million d'électeurs sont appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux à un an de la présidentielle. Un type de scrutin qui présente des nouveautés par rapport au précédent et qui présente un enjeu important pour le parti au pouvoir. Pas moins de 6 bulletins seront déposés dans les urnes par les électeurs. L'espoir dans une poignée de secondes. Oui, nous parlons essentiellement football. La première demi-finale à l'est de la Ligue des Champions de la CAF s'est disputée hier. L'affiche entre l'Espérance de Tunis et Al-Ahly d'Égypte s'est tournée en faveur donc des Égyptiens. Et puis, la demi-finale de la Coupe du Mali se joue ce samedi à Ségou au stade Amari Diaw. Les affiches sont Bakary Diagne 11 créateur et le stade malien de Bamako Binga FC. Le résumé de l'actualité chez les sports avec Fambrou Djourti. La Coupe du Mali de football 2023 arrive à un tournant décisif avec les demi-finales qui se jouent ce samedi 13 mai au stade Amari Diaw à Ségou. La première demi-finale oppose l'AS Bakary Diagne de Barawuli et 11 créateurs de Niarela à partir de 16h. Les pensionnaires de Barawuli ont éliminé le tenant du titre, le Djoliba AC, en quart de finale au tir au but, tandis que les créateurs sont venus facilement à bout de l'AS Black Star de Badalabou par 3-1 en quart. Dans ce duel, les 11 créateurs partent avec les faveurs de pronostic pour avoir gagné deux fois le trophée. Dans l'autre demi-finale, le Stade Malien de Bamako joue contre Binga FC. Les Blancs de Bamako et les Rouges de Binga se sont déjà croisés dans cette compétition. C'était en finale de l'édition 2021. Le Stade s'était imposé par 3-2, une finale qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce match Stade Malien de Bamako Binga FC est déséquilibré en termes de statistiques. Les Blancs du Stade détiennent le record de titres, 21 trophées, alors que les Rouges de Binga n'ont disputé qu'une seule finale. Les quatre demi-finalistes ont toutes leurs forces et leurs faiblesses, mais une chose est sûre, l'enjeu sera de taille, car les quatre clubs ont tous à cœur de remporter Dame Coupe du Mali 2023.
À suivre les deux demi-finales en direct sur les ondes de la radio nationale. Toujours en football, championnat national de Ligue 1, le leader est tombé. Ce vendredi 12 mai, au compte de la 17e journée, Afrique Football Elite a battu le Djolba AC par 1-0, un but marqué au bout du temps additionnel, 90e minute plus 4. Avec cette contre-performance, le Djolba AC pourrait perdre son fauteuil de leader au terme de la 17e journée si l'AS Real gagne son match contre l'US Bougouni ce dimanche 14 mai à Koulikoro. Le duel des Olympiens a tourné à l'avantage du COB qui a battu Yelen Olympique sur le fil 3-2. Mené 2-0, Yelen Olympique est revenu au score à la 90e minute avant de se faire punir à nouveau en fin de partie. Le match entre les porteurs d'uniforme, AS Police USFAS, s'est interrompu à la 75e minute par une coupure d'électricité prolongée. Le score était de 1-0 pour l'AS Police. Pas de rencontre ce samedi en raison des demi-finales de la Coupe du Mali. La 17e journée se poursuivra dimanche 14 mai. Sur le continent, les demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF sont à l'honneur. La seconde affiche met aux prises le Wydad de Casablanca du Maroc et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les deux équipes se sont déjà rencontrées dans cette compétition en 2017. À l'époque, les Marocains avaient remporté les deux matchs 1-0 à l'aller et 2-1 au retour face aux Sud-Africains. C'était au stade des quarts de finale. Une affiche de haute volée entre les Sundowns revanchards et un Wydad déterminé à défendre son titre. Coup d'envoi de la rencontre 19h GMT. Ce vendredi, le club le plus titré, dit trophée, de l'histoire de la Ligue des champions de la CAF à la Ligue d'Égypte, s'est ouvert une voie royale pour une deuxième finale consécutive. Son voyage à Tunis a été un modèle de maîtrise et de gestion de l'événement. À huis clos, à cause de la lourde sanction infligée par la CAF à la suite des débordements en quart de finale face à la JS Kabylie, les joueurs d'Alali ont profité de cette décision pour infliger une lourde défaite 3-0 aux Tunisiens. Les Kairotes viennent de mettre un pied en finale de la Ligue des champions de la CAF et de croire à un 11e sacre continental. Pour les sang et or, il faudra sans doute réaliser la plus grande performance de leur histoire pour croire à un éventuel renversement des situations. Chronique culture et société. Oui, la chronique culture sautée nous fait voyager dans la contrée de Yangasso. Il est question de Bodogola, une pratique culturelle ancestrale qui consiste à glorifier la jeune fille. C'est un dossier réalisé par Alpha Maïga. Bodogola. Le Bodogola, une manifestation culturelle. La pratique se passe à Yangasso, dans le cercle de Bla, région du Sud. Drissa Dambélé, ressortissant de Yangasso. Yangasso, comme son nom l'indique, c'est un village bambara. Ça veut dire ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi, Yangasso. Bodogola, ça veut dire présenter au public du marché. Et qu'est-ce qui est présenté au public du marché? Il s'agit des jeunes filles et garçons qui ont pratiquement le même âge et qui ont l'âge à peu près de se marier. Ce rite ancestral contribue à promouvoir l'éducation de la jeune fille, une valeur sociétale. Drissa Dambélé, ressortissant de Yangasso. La pratique même du Bodogola, une femme qui n'a pas été présentée au public, c'est-à-dire qui n'a pas été Bodogola, c'était une honte. Parce que toutes les filles à l'époque ne présentaient pas à ce rite-là. Parce qu'une fille qui a eu un enfant ne se prêtait pas au jeu. Alors s'il s'hasardait à se présenter au public, alors c'est un mauvais sort qui allait la suivre durant le restant de sa vie. Mamadou Dambélé, dit Dabara, artiste musicien. Bodogola, c'est un truc secret. Et puis c'est au village. Chez nous, toutes les filles, son papa et sa maman, font la bénédiction. Il faut que ma fille fasse Bodogola. C'est comme ma fille garder son virginité. Bodogola, il y a une place qui est la place secrète. Coutume, on part là-bas. Mais si tu as fait grossesse, tu n'es pas allé là-bas, sinon tu vas mourir. C'est pas comme on parle à la sonne, non, c'est pas comme ça. C'est direct. Et si tu as avorté, en caché, si tu es parti, les jours là, les gens vont savoir. Le Bodogola est donc une manifestation culturelle ancestrale, autrefois pratiquée en période pré-hivernale pour magnifier les jeunes filles. Drissa Dambélé, ressortissant de Yangasso. Au moment où les jeunes filles qui étaient parties à l'exode vers les grandes villes, au moment de leur retour, l'événement est fait en ce moment-là pour encourager celles d'entre elles, les jeunes filles qui ont de bons comportements, et pour décourager ceux qui auront enfreint à la coutume et à la pratique ancestrale. Le but était de glorifier celles qui ont su se préserver.
Donc toutes ces chansons là, c'est comme on fait la miss Ortem. Le chanson chante parce qu'à ces jours là, il y a des belles filles qui sortent, ils sont fait des habillements. Maintenant on chante les morceaux là. Si sont 30 personnes, 40 personnes, tu dis un à un tout. Quand tu t'en toi, si tu as des moutons, si tu as des chèvres, tu as l'argent, tu viens donner, ton mari vient, on fait des vengeances comme ça sur le terrain. C'était une sorte de foire, le lieu propice pour détecter l'épouse idéale et honorer les familles ayant reçu dans l'éducation de leurs enfants. Drissa Dambélé, ressortissant de Yangasso. C'est les femmes qui préparaient les jeunes filles. Alors, ils faisaient le tour des arbres sacrés de nos villages pour dire que je suis propre et ma virginité, dans la plupart des cas, au public, pour que le public sache que mes parents se sont bien occupés de moi. Ils chantaient à leur propre louange. Et l'instrument traditionnel qui accompagnait tout ça, c'était le balani. Mamadou Dambélé, dit Dabara, artiste musicien. Même s'il y a 60 filles qui font Bodogola, il y a 60 balafonistes. Parce que chaque fille, son mari amène avec son balafon. Il joue les balafons. Si on n'a pas trouvé des balafons, on préfère des reporters de Bodogola jusqu'à en trouver des balafons. La manifestation avait cessé depuis une trentaine d'années. Mais le festival de l'action à l'aide pour le développement de Yangasso, qui se déroule depuis plus de 3 ans, permet de valoriser cet aspect important de notre culture. En clair, pousser les populations à s'impliquer davantage dans l'éducation, surtout celle des jeunes filles. Bodogola, un patrimoine appelé à être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, et cela pour l'avenir et le devenir de la contrée de Yangasso. Oui, je l'appelle de Alpha Maïga depuis Yangasso. À retrouver cette édition sur www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. La présente édition est mise en ligne par Tamsir Djabaté. À la présentation, Mohamed Diarra, la mise en ligne est assurée par Afsé Traoré. Coordination éditoriale, Ousmane Daou. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.